Bah, en fait, vous vous rappelez qu'on a fait deux épisodes ensemble. Ça fait la quatrième fois que nous nous rencontrons. Et deux personnes de plus que vous ne connaissez pas, trois, avec Nathalie qui filme. Donc Delphine, que je vous laisse vous présenter, et Xavier. Voilà. Je vous laisse vous présenter au préalable. Okay. Rebonjour à tous. Moi, je travaille pour un centre de soins pour les tortues marines. En fait, ça fait des années que je travaille sur cette problématique du plastique parce que malheureusement, ben, ces animaux en ingèrent. Et je vous montrerai, d'ailleurs, j'ai ramené quelques échantillons. J'ai aussi travaillé avec les pêcheurs professionnels, donc avec qui on bosse pour les tortues marines, parce que les tortues marines qu'on récupère au centre de soins, c'est principalement des tortues qui sont issues de captures accidentelles, donc les pêcheurs les attrapent, et puis nous appellent pour qu'on aille les chercher et qu'on aille les soigner. Donc c'est le centre du 16 mètres, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est à côté de Montpellier, donc à la Grande Motte plus précisément. Donc du coup, on travaille beaucoup avec les pêcheurs et avec les enfants aussi, les scolaires, sur la problématique des déchets. Parce que ces tortues marines, ce sont des espèces indicatrices des déchets. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre ce qu'elles ingéraient en termes de déchets et ce qu'on trouvait dans la mer. Quand une tortue arrive au centre de soins, soit elle est vivante et dans ce cas-là, on récupère les crottes et on analyse les crottes, et soit elle est morte malheureusement et ça arrive et on va l'autopsier, on l'ouvre et on regarde, on a un protocole bien particulier pour regarder ce qu'elle a ingéré, si on a des déchets dans l'œsophage, si on a des déchets dans l'estomac, si on a des déchets dans les intestins, etc. Et c'est ces données qu'on va analyser qui vont nous permettre de voir s'il y a une évolution de la présence des déchets en mer ou etc. Donc on va utiliser ces espèces en fait comme vraiment un indicateur pour savoir si ça va mieux, si ça va moins bien et quels déchets sont le plus ingérés et les plus présents du coup dans notre environnement. Donc ça c'est pour ma part et puis après il y a Xavier aussi. Donc, Xavier de l'association Recyclons. Donc l'idée là c'est plus dans l'objectif de trouver des solutions sur la partie c'est-à-dire recyclage et valorisation des matières plastiques qui peuvent se trouver dans l'environnement, en particulier les déchets marins, comme vous pouvez voir ici. Donc l'idée, c'est d'engager différents acteurs, dont les pêcheurs, dans la récupération des déchets en mer. Donc ça sort directement des filets de pêche de Port-la-Nouvelle. Et ensuite, de trouver des solutions de valorisation et d'innovation pour le recyclage des plastiques. Et du coup, faire le lien entre la prévention, la sensibilisation et puis l'économie circulaire pour donner du sens à toutes ces actions. Vous vous rappelez qu'en fait, on était arrivé sur deux plages, a priori. Est-ce que vous pouviez penser qu'on allait trouver du plastique sur ces deux plages-là? A priori, comme on était sur la plage, il n'y avait rien. Il n'y avait pas une bouteille qui se baladait, il n'y avait pas un bout de plastique de particulièrement visible. Oui. On est bien d'accord. Le fait qu'on ait dessiné sur la plage 10 mètres par 10 mètres et qu'on se soit concentré uniquement sur cette surface-là, vous n'êtes pas surpris d'avoir récupéré finalement deux fois, enfin c'est même plus que deux fois, c'est l'équivalent de 4 ou 5 fois ce qu'il y a là. Vous rappelez que vous êtes venu chercher des petites bouilles de plastique, de polystyrène Et puis il n'a pas fallu beaucoup de temps, on a mis un quart d'heure, hein, même si on était une quinzaine peut-être à chaque fois, un quart d'heure, donc une minute chacun, finalement on a rempli deux bocaux ou trois bocaux de plastique. Si on regardait avec un microscope assez fin, assez puissant, la composition du sable que vous avez pris, il y a des chances qu'on retrouve vraiment des nanoplastiques, des tout petits plastiques, de rien du tout. Et ça veut dire qu'en fait le sable il est véritablement en partie composé d'échantillons classiques. Ce n'est pas que de la silice ou de la pierre. Les microplastiques, vous en avez partout. Et quand on travaille en laboratoire, justement, pour essayer de voir si le poisson a ingéré des microplastiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va disséquer le poisson, on va récupérer le tube digestif. Alors, il y a plusieurs techniques, mais nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on le digérait. Donc, on mettait des produits qui permettent de digérer la matière organique et de récupérer que les plastiques. Nous, on arrive à manipuler quelques centaines de microns. Au-delà de ça, on ne peut plus les manipuler et on s'est rendu compte, il y a des études qui sont sorties dernièrement qui montrent qu'il y a des microplastiques très petits, des particules très petites, qui vont passer par les membranes des cellules et atterrir, aller contaminer le cerveau. On en a retrouvé dans le placenta de femmes enceintes, etc. Donc,
microplastiques, ouais, rien que d'en parler, d'ailleurs, ça me met les frissons. C'est quand même un sujet délicat et aujourd'hui, et qui peut poser des problèmes sanitaires, quoi, clairement. Plutôt tous les deux ans, il y a une étude qui sort. Et alors, là, l'avant-dernière, c'était 900 et quelques. Et puis l'année dernière, c'est 1200 espèces marines qui seraient impactées par les déchets marins, soit par emmêlement. Donc, c'est-à-dire que le déchet, l'animal va se prendre dans le déchet et ce qui va entraîner des amputations. Nous, on l'a vu sur les tortues marines. Sans parler d'amputation, là, on peut avoir aussi une infection. Nous, on a vu des tortues emmêlées dans des filets de pêche qui avaient poursuivi leur croissance. Donc, le filet qui commence à rentrer dans les chairs. Donc, soit c'est emmêlement. Ça peut être aussi ingestion, donc ça c'est parmi les impacts les plus connus, hein, ingestion, donc soit ingestion accidentelle ou volontaire, hein, de l'animal, accidentelle parce qu'en fait les tortues elles vont se nourrir généralement de d'espèces qui, par exemple, si elles se nourrissent de méduses par exemple ou de plancton, le plancton va suivre les courants comme va le faire le plastique. Donc ils vont se retrouver, plancton et plastique vont se retrouver dans la même zone d'eau, quoi. Et donc du coup, la tortue, en voulant absorber, en voulant manger de la nourriture naturelle, peut aussi ingérer par accident du plastique, parce qu'on est dans une soupe de plastique, en fait. Ou alors, volontairement, par exemple, là, un bel exemple, là, pour le coup, vous avez des plastiques qui ont été colonisés, parce qu'ils sont restés assez longtemps dans l'eau. Donc, ils ont été colonisés par des vers et par des organismes marins dont la tortue se nourrit. Et donc, là, pour le coup, ça a l'odeur aussi de sa nourriture. Et elle peut venir croquer dans ce gant, par exemple, et gérer une partie de plastique. Ça, c'est une photo. Donc, ça a été pris. Pour moi, c'était la tortue, le pire cas qu'on ait jamais eu. Elle est un peu plus gros là. C'est une tortue de Corse, donc en 2021, qu'on a récupérée, qui avait été capturée accidentellement par un pêcheur. Et là, pour le coup, elle avait ingéré un hameçon qu'on a dû extraire. Et elle était vivante. Hein. Elle a déféqué, donc on a trouvé ça dans ses crottes dans deux ou trois jours. Et c'était que des plastiques. Hein. On avait isolé tous les plastiques. Donc ça, c'est une seule tortue qui a déféqué tout ça en 3 jours. Il en restait peut-être encore, hein, d'ailleurs, mais ça, c'est ce qui a transité. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça transite, hein, que des fois ça transite, des fois ça bloque. Et ça bloque souvent quand c'est des longs fils, par exemple, qui sont ingérés. Mais là, des fois, là, pour le coup, ça transite. Ça transite, mais par contre, quand elle mange ça, elle n'a pas l'énergie qui va avec. Hein. C'est-à-dire qu'elle a un sentiment de satiété, elle a l'impression d'avoir mangé correctement. Donc elle n'a plus faim, mais par contre, ce n'est pas ça qui va la nourrir, quoi. Donc c'est ça le gros problème. C'est sur le moyen terme, voire court terme, ça peut avoir des influences sur une influence sur l'énergie de l'animal, même sa reproduction, etc. Parce que ces plastiques ne sont pas inertes aussi. Vous avez entendu parler des additifs dans le plastique qui permet une certaine souplesse, etc. Donc c'est des additifs qui sont toxiques et qui, sur le plus ou moins long terme, peuvent affecter la santé de l'animal, quoi. On a démarré au Gros du Roi sur un projet collectif. L'idée, c'était de se dire, sur un territoire, on a des associations, des pêcheurs, des écoles, les services techniques de la ville. On a tout un tissu d'acteurs qui agissent et qui veulent trouver des solutions. Donc on a démarré avec une innovation en recyclage. Donc là, c'est le premier prototype. C'est-à-dire, on va mélanger tous ces déchets plastiques, les broyer. Donc là, vous avez les fameuses paillettes. Et créer donc une matière secondaire issue du mélange de tout ça. On s'est dit, sur le Gros du Roi, on va lancer un projet pilote sur la collecte des déchets en mer. Et donc, on est allé voir les pêcheurs et on leur a demandé, est-ce que vous avez des déchets dans vos filets? Et effectivement, vous pouvez voir, la réponse a été positive. Malheureusement, ils en récupèrent une grande quantité, à peu près, on va dire, 3-4 mètres cubes de déchets par an, par chalutier. On avait commencé à discuter de cette question-là, du plastique, comme étant un danger, quelque chose de très difficile à gérer, voire d'insoluble, avec des impacts considérables sur la nature et même sur notre santé. Mais en fait, on peut être maître de pas mal de choses, de paramètres dans l'histoire.
Donc il y a des possibilités, il y a des inventions potentielles, il y a des actions à mener, il y a des changements de comportement à intégrer. Et donc, entre autres changements de comportement, bah, vous avez bien compris qu'il faut éviter d'utiliser certains produits, certains matériaux. Mais on sait aussi que, eh bien, on peut trouver des alternatives et peut-être développer des emplois pour un futur proche en utilisant ce qui, finalement, nous pose problème. Ça nous pose problème. C'est une source, je dirais, peut-être d'activité. Et ce que je veux dire par là, c'est que le message est positif. C'est pas parce qu'on parle plastique que ça pollue dans tous les sens, en quelque sorte, que c'est très dangereux, même pour la santé, que l'on doit se dire « attention, danger plastique ». Non, il faut se dire aussi qu'il y a solution par rapport à ces questions-là et ces problématiques-là, et on est acteur de ces solutions, on peut devenir acteur de ces solutions. Il faut faire fonctionner un petit peu ce que l'on a derrière les yeux, nos yeux nous servant de capteurs, justement, pour comprendre avec nos oreilles, nos sens, pour comprendre ce qui se passe, et notre cerveau, il sert justement à trouver des solutions. En cherchant des problématiques, en essayant de caractériser un petit peu tous les sujets qui nous intéressent, et puis de fil en aiguille, justement, de trouver des réponses les mieux adaptées aux problèmes que l'on a rencontrés, qu'on a identifiés. En fait, c'est tout un processus de recherche, et je pense que le futur qui s'invite devant vous, là, c'est là où la science sera certainement la plus importante dans toute l'histoire de l'humanité, c'est à savoir comment la science va-t-elle nous servir pour dépolluer, entre guillemets, notre planète de tous les maux qu'elle doit supporter. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil.